Même nettement mieux, les amis, que ce soit un ouvrier qui travaille pour nous. Allez, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Farming Simulator 2015 sur la map, les amis. Et oui, cette fois-ci 4.1, mais avec des nouveaux contenus, tout simplement. Alors, quelques petites modifications ont été apportées à la map, voire même beaucoup de modifications, plus précisément, je tiens à vous le dire, et quelques ajouts aussi ont été faits. Alors, tous les ajouts qui ont été faits, je ne me souviens plus, parce que j'en ai aussi téléchargé des mods, et donc, c'est vrai que ça a été un peu complexe, mais je vous ai fait une petite présentation de mods, vous pourrez retrouver sur ma chaîne, comme le BMW et le camion Peterbilt. Vous pourrez les retrouver directement dans ma chaîne YouTube avec les liens de téléchargement. Alors nous les amis, on va se rendre ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la remorque la même que la dernière fois, mais modifiée tout simplement, les amis. Maintenant, on peut prendre toutes les cultures. Et oui, parce que le développeur, donc Restricted, m'a dit qu'elles étaient bloquées au départ. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez retrouver tous ces mods, toutes les dernières informations sur la map, sur la page Facebook de Restricted. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller voir. Vous saurez tout, et en heure, bien sûr. Voilà, bien sûr, et voilà. Hein. Alors, donc, ça... Je vous ai montré un petit peu la remorque, vaguement ce qu'elle représente. Et ensuite, les amis, il y a eu des modifications aussi qui ont été faites. C'est au shop. Si vous vous souvenez, au shop, il y avait des véhicules. Pour les véhicules, tout simplement, il les a retirés. Pour une bonne raison. Tout simplement, car c'est pour faire un gain de place. Après, je ne suis pas développeur, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été. Tout a été fait, mais. Beaucoup, on m'en a beaucoup expliqué, mais je n'ai pas tout retenu, j'en ai retenu pas mal, mais pas tout, voilà. Pour ce qui est de l'eau, parce que énormément se pose la question, comment ça se fait que on peut pas prendre de l'eau, où est-ce qu'il se trouve le robinet pour l'eau? Et bien tout simplement les amis, je l'avais déjà dit dans le précédent épisode, que l'eau se trouve dans le puits, tout simplement. Vous avez un puits là-bas, regardez, je vais vous montrer, qui est ici. Voilà, tout simplement, c'est bête, hein, mais ça a cherché un petit peu aussi. C'est un puits qui est ici, voilà. Vous venez avec votre citerne d'eau. Vous retrouverez dans les mods, précisément. Voilà, si vous avez téléchargé la map, logiquement, vous avez les mods. Parce que c'est un pack avec tout compris dedans. Vous avez... Non, c'est pas la cuve ici. Qu'est-ce que je fais comme connerie? Non, j'ai fait une petite bêtise, les amis. Attendez. Je suis perdu. Voilà, c'est là-dedans, voilà, c'est dans le divers, et vous retrouvez, elle fait aussi bien l'eau que le lait. Voilà, tout simplement, elle est pas chère en plus, 19 000, je veux dire, c'est pas cher pour une remorque de cette envergure-là, surtout qu'elle prend quand même une capacité de 18 500 litres. Ensuite, les amis, je tiens vraiment aussi à vous montrer, c'est acheter ceci. Oui, alors, on m'a expliqué, qu'est-ce que c'est ça, le stop milkshake. Milkshake, non, milk, le milk, stop milk. Et ben tout simplement, le stop milk, les amis, c'est pour arrêter le lait. Voilà, tout simplement, c'est bête comme mes pieds, mais c'est tout simplement ça, c'est en fait pour, si vous voulez livrer le lait vous-même avec la remorque. Oh merde, je l'ai mis ici, moi. Mais quel con. Ah, bon, bah écoutez, c'est pas grave, on l'a fait, on l'a acheté. Maintenant, on en a une. Donc maintenant, ça sera nous qui va livrer le lait. Ça sera beaucoup plus pratique parce que vous reconnaître dans l'ensemble que c'était pas pratique, vous savez, dans l'ensemble, où quand c'était eux qui livraient le lait, quand ils venaient chercher machin, c'était pas intéressant. Voilà. Et ensuite, les amis, nous avons le BMW X5. J'ai bien envie de l'acheter aussi, mais à quoi va-t-il nous servir? Eh ben écoutez, on a un attelage à l'arrière. Alors écoutez, j'ai bien envie de le prendre pour pouvoir attacher la remorque. Hein?
Voilà, alors on va le prendre, et comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu le truc, ils pourront voir le mode comment il est. Il est plein, merde. Voilà, notre BMW X5 avec un bel intérieur, faut bien le reconnaître, hein, il est joli l'intérieur blanc. À sortir la voiture, c'est par contre le seul bémol, c'est comme j'ai déjà dit, on peut pas choisir la couleur. Après, on peut pas tout avoir, bien sûr. Par contre, vous voyez, elle a un certain nombre de kilomètres heure qui est assez élevé. 83 km heure. Bon, ce farming c'est énorme. Ouais, par contre, regardez, on fait du rallye sur Farming Simulator. Là, c'était vraiment le cas de le dire, hein, avec ce 4x4 complètement. What the fuck? Ouais. Alors, par contre, ouais, nous sommes dans les montagnes et tout, hein, c'est plutôt sympa. On va rouler un peu à la. Pas trop, si j'allais dire à la Mormone 2, mais pourquoi pas. Freine! Ouais, quoique. La barrière s'est ouverte avant quand même que. Nous faisions un gros accident, ouais, ça c'est. Voilà, hop. Ça sera plus pratique peut-être pour faire les livraisons. Hop, 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 hop. Freine, freine. Hop. Voilà, on s'éclate un petit peu. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Je le reconnais, je le reconnais. Voilà. Comme ça, on détache le tracteur. Et le tracteur, on va pouvoir l'utiliser pour une autre utilisation, bien sûr. Voilà, alors lui, par contre, je vais le ranger. Là-bas, on s'en fout. On va prendre la voiture. Voilà, je fais un peu à la n'importe comment. Je le reconnais. Donc, vous voyez, ce mode-là de la voiture est plutôt sympa. Moi, je le trouve bien pratique. Par contre, est-ce qu'on peut maintenant attacher sa remorque? Telle est la question. Est-ce que c'est compatible? Eh ben, écoutez, ça m'a pas l'air. Quoique, attendez. Si on recule bien dedans, non? 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 Non, et bah écoutez, non, ça a pas l'air. Hein. Merde, moi je pensais qu'on pouvait. Et bah non. Attendez, si on avance un peu, non. En fait, on peut attacher quoi avec rien? Ah, peut-être si la remorque à bétail. Bah, c'est bien dommage. Hop là, regardez, hop, hop, hop. Et bah écoutez, on va la ranger. Comme ça fera le. Oh, mais sans déconner, c'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture qui glisse comme ça? Soit c'est. La voiture, soit moi je dirais plus c'est la map, pas la map, j'allais dire une connerie, c'est plutôt le jeu de base qui bug comme ça, qui a une physique un peu bizarre. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont loupé un peu le système de friction dessus. Parce que là on se croirait plus sur WRC quand même, entre nous, faut dire la vérité. Hein, ça glisse à donf. Pour le peu qu'on roule, on glisse. Alors franchement, moi je trouve ça pas intéressant. Hop, attaché. Voilà, on va pas remettre la bâche comme il le demande si bien. Par contre, le champ va être long à faire. Par contre, c'est pas nous qui va moissonner. On va laisser faire l'ouvrier, les amis. Parce que quand on voit la taille du champ, ça va nous prendre beaucoup trop de temps, même en accéléré. J'y pensais, je me suis dit, ça va servir à rien. Puis j'ai envie de montrer aussi un peu autre chose, un peu de variété. Parce que faut reconnaître que, ou durant les épisodes, c'est un peu mort. Par contre, est-ce que. Non, on va attendre un peu qu'il y ait de la charge. Nous, en attendant, on va. Bah, ouais, tant qu'il se vide, on va ranger ça. On va essayer d'attacher la remorque là-bas. Où est-ce qu'elle est par contre? Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là-bas, regardez. Hop, pour les cochons. Comme ça, on pourra charger certainement des veaux et des petits cochons pour les emmener à l'abattoir. Parce qu'il y a un abattoir, en fin de compte, c'est une boucherie. Hein, abattoir, boucherie. Enfin bref, c'est là où on emmène les faire se zigouiller. Non, mais on peut attacher rien du tout! Mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce véhicule de merde? Je le dis parce que. Non mais franchement. En fait, il ne sert à rien. En fait, ce maudit véhicule pourri. Bon, il est bien. Il est bien modélisé. Mais on peut rien attacher avec. Ouais, je préfère m'éclater à faire des tournants ronds. Allez, arrêtons. Soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. Ça, ce qui est moins sûr, par contre, chez moi. Vous le savez, il faut que parfois je fasse un peu de conneries parce que c'est comment dire. Ouais, bah écoutez, je descends. Non! Pourquoi je vais devant moi? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Pourquoi je vais devant? Mais non, mais en fait, on n'a pas tant de véhicules que ça. On a que 6000? On n'a que 6202. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Est-ce qu'on peut pas acheter une petite benneuse comme ça, une chargeuse? Hé! Hey, oh my godness, c'est 23, 27 000 euros pour pouvoir acheter cette machine-là? Non mais ils sont malades?
Dites-moi qu'ils sont fous. Ouais, je pense qu'ils sont complètement timbrés. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on va être obligé de l'acheter de toute façon. Mais avant tout, faut qu'on finisse de remplir cette remorque. Ou alors, dans ces cas-là, on va la vider directos. On va la vider. Est-ce que on peut aller vendre là-bas? Ouais. Ouais, on va les vendre là-bas. Par contre, je pense que ce système de vente n'a pas été déplacé. Ce qui est pas un peu compréhensible. Déjà, la map a été pas mal modifiée. À savoir, les amis, que je vous ai pas précisé, excusez-moi, parce que je reviens complètement sur autre chose, c'est que vous n'avez pas remarqué peut-être, c'est la texture. Vous avez vu que les textures ont totalement changé. Les textures de champ sont totalement différentes. Elles sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sombres qu'avant. Avant, c'était pas aussi sombre. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa comme ça. Moi, j'aime mieux la terre, au moins, elle est plus jolie. Alors, on va revendre. Surtout qu'on a un bon stock, quoi. Je veux dire, dans l'ensemble, il faut qu'on arrive au moins à se faire 27 000. Et bon, c'est les frappants. Ça, c'est plutôt dommage. Quoique, on peut aller vendre au moins ce qu'il y a dans les silos. Voilà, tant qu'à faire, vendons ce qu'il y a dans les silos. Allons vendre ce qu'il y a en silo. Ça nous fera peut-être plus d'argent le temps que notre moissonneuse se remplisse et nous on puisse vendre tout ce qu'on a et acheter une petite chargeuse à copeaux. Pas copeaux, non. À paille, là. Voilà, à paille, hein, je pense que c'est ça le mot, la paille. Hop. Voilà, hop, et je vous montrerai aussi une nouvelle fonctionnalité qui était déjà, mais que je vous avais pas montré. Une fonctionnalité du poulailler qui est assez sympathique. Vous allez voir, c'est vachement très drôle. C'est même plutôt bien fait. Tu vides, non? Comme par hasard, je parie qu'on n'a pas pris le bon silo. Ah, c'était. Voilà, tout simplement. Bon, je sais, ne rigolez pas. On ne voit pas le fait quand il se vide le blé. Ça, c'est. Ou même le maïs, peu importe en fait la semence, mais c'est pas très grave hein, dans l'ensemble. Moi, je trouve que c'est même plutôt mieux comme ça. Après, c'est un point de vue personnel. Chacun ses goûts. Voilà, je m'avance jamais de trop. 90%. Bon, bah ça va, on a bien. Je veux dire. On est plutôt. On a plutôt bien revendu, bien chargé. Hop, on va prendre par là. Ah, mais par contre, faut qu'on trouve un système. Ah, il est plein, non? Ouais, il est plein. Donc, il va falloir qu'on revienne charger. On revienne charger, les amis, pour qu'on puisse finir de récupérer ce qui manque. Voilà. Oh, doucement, arrête de glisser. Vous avez vu ça, comment ça glisse? Oh, on est sur la neige, on est sur de l'herbe, parce que, rassurez-moi quand même, sur Farming Simulator, ce n'est pas un WRC4. Et ben là, je ne comprends pas. Pourquoi ça glisse comme ça? J'arrive jamais, de toute façon, j'ai arrêté de chercher à comprendre parce que ce jeu, des fois, m'en fait voir de toutes les couleurs. Voilà, parce que je suis un peu gonflant à la fois, des fois. Ouais, oh, attendez. Hop. Hop. Faut qu'on voie aussi le prix du camion. Combien il vaut, si on peut se l'acheter. Après, c'est vrai qu'il faut dire que c'est normal qu'il prend toutes les cultures, donc c'est plutôt bien pratique aussi. Mais bon, ah, on a assez. Et ben on va s'acheter la remorque à 27 000. Oh my godness! Elle est chère hein, par contre. Hein. Oh. Ah ouais, elle est chère, mais on l'a maintenant. Donc on est tranquille. On va pouvoir aller filer de la paille à nos vaches et à nos cochons. Même nos petits veaux et nos moutons comme ça. Mais des moutons, je crois qu'on n'en a pas. Hein. Je crois que j'avais pas acheté de mouton, il me semble pas en avoir acheté. On vérifiera, mais je crois il me semble pas. Hein. Parce que je ne sais plus du tout ce que j'avais fait. Comme vous pouvez voir, je suis bien malade. C'est vrai que j'ai un peu la tête ailleurs. Voilà. Sautons du tracteur en pleine route. C'est plutôt n'importe quoi. Ah, MERDE. Ouais, là. Monte. Ouais, t'es monté? C'est bien. Montons dans le tracteur et se tirons très très vite. J'avais envie de faire l'action, vous savez, le coup du train, vous savez, la dernière fois, on va plus vite que le train, on va plus vite que le train. J'ai envie de faire la course avec le train un jour, juste pour voir si on va plus vite que lui, ou si lui, le train le plus silencieux qu'on connaisse, par contre, hein, c'est un train comme ça qui part, qui fait pas de bruit, vous avez vu? Si vous vous souvenez d'un précédent épisode, le train part, mais il ne fait pas un bruit. On n'entend pas de bruit de moteur ni rien. J'ai trouvé ça quand même un peu n'importe quoi.
N'importe quoi. Mais bon, après, on va pas se plaindre. Hein. C'est un jeu. Hein. Il est même plutôt vachement bien foutu, ce jeu. Alors, est-ce que j'aimerais bien qu'il se dépêche un petit peu à charger, qu'on puisse... écoutez, on va... ouais, on va aller directement le réinitialiser. Hop, tant qu'à faire. Ah non, mais c'est pas là. Sérieux, c'est où? Ici, c'est où qu'on vide? C'est où qu'on vide? C'est où qu'on récupère notre matériel? Ah, c'est celui-là. Ok. Oui. Merci. Voilà, donc on a récupéré... Ah, yeah, on a enfin... réinitialisé la chargeuse. Maintenant, on va pouvoir aller la récupérer. Hop, on détache tout en cours de route. On s'en fout. Soyons fous. On est fous. Je suis fou. Complètement fou. Ah, j'arrête. Je suis un peu fin excité, je sais, c'est... C'est peut-être l'effet de Liprane qui me rend comme ça. Non, je plaisante. C'est où par contre cette... Il est où la remarque? Il est où? Ah, bloqué. Nous sommes bloqués. Ouais, mais attendez. Je réfléchis. Je réfléchis. Allez là, regardez. Avec la voiture qui gare en plein milieu, comme une grosse dégueulasse. On l'a garé vraiment n'importe comment, quoi. Je l'ai posé, puis je me suis tiré, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'emplacement encore bien applicable. Faut vraiment que je le fasse. Alors, bah maintenant que nous avons ça, faut passer par contre vers le poulailler. Voilà. Hop, et on va reprendre depuis le début. Alors ça, par contre, je sais pas si on va pas le faire en accéléré. Bah non, quoique. Le temps que la moissonneuse se charge. Après, cela peut-être vous intéresse pas. Mais non, on va le faire en mode normal. Comme ça, c'est fait. En plus, il s'auto-bride tout seul. Donc, c'est plus trop pratique. Bravo. Pratique. Voilà, je vais y arriver. Et comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête. Parce qu'il faut savoir que dans la précédente map, les amis, on avait pas deux charrues. Et en fait, ce qui se passait, si vous vous souvenez, la charrue ne retirait pas la paille. Et je crois que ça ne le fait toujours pas, il me semble. Hein. Je crois que c'était un bug et qu'en fait, je ne sais même pas en fait si c'est un bug ou pas. Pour ça, je m'avance pas trop sur ça. Mais je sais que sur la précédente map, il n'y avait pas de charrue. Tout simplement. Alors, donc, restricted la rajouter. Voilà, donc il y a aussi ce rajout-là de la charrue. Fallait pas oublier cette petite charrue quand même, qui est plutôt très importante. Aujourd'hui, sur farming, ce qui est plutôt très réaliste aussi à ce niveau-là, et surtout que ça nous oblige maintenant à l'utiliser, et ça c'est plutôt bien parce que si vous vous souvenez précédemment, on faisait ça, mais on pouvait pas, on pouvait l'enlever avec le cultivateur et non avec la charrue, donc c'était un peu con. Maintenant, il va falloir avoir la charrue pour enlever tout ce qui est semences restantes et ça, voilà tout simplement le foin. Allez, je vais trouver le mot. Ah, par contre, ah, on a loupé une lignée. Merde. On va glisser, on va glisser. On va faire un travail dégueulasse. On va faire un travail dégueulasse. Il va vraiment nous falloir un deuxième véhicule. Hein. Il va nous falloir vraiment un deuxième véhicule. De toute façon, on vendra des animaux. On fera tout ce qu'on peut dans cette guerre suivie pour pouvoir continuer bien dans les règles de l'art. Alors oui, je tenais aussi à informer donc Restricted qui a dit par commentaire sur la page Facebook, qui m'a dit surtout que il était désolé car il va falloir que je recommence une partie. Eh ben écoute Restricted, je te réponds là directement dans la vidéo. Bah écoute, je n'ai pas eu ce problème de recommencer la map à zéro. Du tout, voilà, je l'ai installé et ça a fonctionné très très bien. Juste le fait de la jet skin, non, la Fortuna de la remorque, donc précisément pour pour le multi. Et donc, non, moi j'ai pas eu, généralement, j'ai pas eu ce problème. Donc, écoute, voilà, j'ai pas eu besoin de recommencer, j'ai pu reprendre de là où j'en étais. La preuve, je viens de le faire tout juste. Voilà, j'avais fait une petite vérification avant de le faire quand même, mais je n'ai pas eu besoin de recommencer une partie. Donc, ça, c'est un gros gros point. Hein. Je tiens aussi à vous informer, les amis. Que si vous téléchargez la map, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer.
Voilà, si vous avez bien avancé sur la précédente 4.1, eh ben vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Voilà. Donc ça c'est bon, nous avons tout rempli ici. Ouais, les cochons baignent dans la paille, ils sont contents. Ouvre-toi. Mais tu te fous de moi. Hein. On va y nourrir les vaches. Voilà. On fera un peu d'herbe aussi, mais ça pas pour tout de suite. Voilà, hop. Voilà. Est-ce qu'elles mangent? Voilà. Regardez. Hop. Elles sont dans la papaye. La texture de paille. De paille. Est plutôt vachement bien modélisée. Je sais pas si c'est une modélisation de Restricted ou alors c'est une modélisation du jeu de base. Mais en tout cas, la paille est vachement, vachement jolie. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ouverture. Mais pourquoi elle met plus de temps à s'ouvrir comme ça? Après, c'est peut-être moi qui rêve. Nous avons là. Et nous avons des vaches encore, il me semble, en haut, non? Ah ouais, faut pas qu'on les oublie. Ah, peut-être les poules. Regardez. Est-ce qu'il y a une possibilité de leur mettre de la paille à eux? Oui. Regardez, en plus, ça passe à l'aise. Les poules, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les poupoules. Paille n'est pas acceptée ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi? On ne peut pas leur donner de paille? Attendez. Ouais, mais alors comment leur donner à manger? Parce que la paille, ça fait pas partie de tout ça, quand même. Eh ben écoutez, vu que nous sommes dans le poulailler, on va aller vérifier tout de suite ce qu'on peut faire. Alors par contre, je vous demande 30 petites secondes, les amis. Encore 30 petites secondes, je suis vraiment désolé, il faut que je me mouche maintenant. Parce que j'ai bien éternué, c'est pas très joli quand même de moucher en vidéo. Voilà, donc je vais couper le micro et disparaître un peu de la caméra. Donc, me revoilà dans la caméra. Voilà. Non, donc, les amis, je tiens vraiment désolé. Hein, tout le monde comprend que ce que c'est d'être malade, d'avoir la grippe. C'est pas facile. Il faut se moucher tout le temps. Voilà. Et moi, comme je veux pas casser un petit peu cette vidéo d'aujourd'hui, qui est très importante, je tiens à la finir jusqu'au bout. Alors, par contre, il y a le poids. Regardez, je vais le récupérer. Ouais, mais par contre, comment je vais le récupérer, le con? Ah, il est là! Ah, je peux pas l'attacher autrement que par là. Il faut en haut, ça veut dire que la benne. Pas la benne, mais la citerne en haut va me faire chier. Ouais. Ou à moins que on fasse à l'intelligence. Attelé. Non, bah écoutez, ouais, on n'a pas eu ce problème. Donc pour la paille, vous le savez maintenant, c'est même pas la peine d'y penser. Pour les poules. Après, est-ce que c'est moi qui ai peut-être pas vu? Mais pour moi, je vois qu'on peut pas mettre de paille pour les poules. Bon, c'est pas grave, hein, y a pas. Y a pas. C'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est pas un drame. Je veux dire, on peut la revendre et surtout que c'est. Surtout, à savoir que les amis, c'est très 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 bien racheté la paille sur ce jeu. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, je vous avais déjà montré le prix de rachat de la paille. Et c'est vrai que c'est très élevé, hein. Non, c'est pas par là les poules. Pas les poules, les vaches. Ils sont où leur enclos de vaches? Ça, c'est la paille. D'accord. Moi, je cherche le silo des vaches. En plus, c'est un très beau bâtiment, donc. Ce serait dommage de pas vous le montrer en même temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, c'est là-bas, regardez. Voilà, tant pis, hein, la moissonneuse attend un petit peu. On va passer par là. Ouais, est-ce qu'on peut décharger par là? Et voilà. Par contre. Ouais, il veut pas qu'on décharge par contre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Attendez. Attendez, attendez. Ah si, regardez. Ah mais ça décharge de l'autre côté. Non? Ou c'est en général? En fait, j'en sais rien. La capacité maximum de l'auge est suffisante pour nourrir les animaux pendant 6 jours. D'accord.
D'accord, donc bon, écoutez, elles ont, comment dire, elles ont de la paille, d'accord. On leur filera de l'eau, par contre aussi, à pas oublier l'eau, qui est plutôt très important pour les nourrir. Elles sont mes vaches, elles sont pas de chou, mes vaches. On va passer sur le pont d'Avignon. Non, je plaisante. Ouais, ah, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup des vaches, vous vous souvenez? On n'en avait qu'une, il me semble. Voilà, on a une vache toute seule. Bonjour Marguerite. Oh le bug! Regardez! Regardez, regardez! Regardez! Bon, on va arrêter de dire ses fesses. Je suis pas pratique du tout, je suis pas même pas bien. Voilà, faut pas faire ça. Non, hein, parce que si elle fait caca comme ça, là, après, bah, vous en avez plein les pompes. Non, c'est logique, quoi. Je veux dire, je raconte des conneries, mais on se marre quand même. Alors, vache. Oui, vache. Et encore vache. 2500, on a même passé pour en acheter une autre. Comme ça, on aura Marguerite. On va leur... Nous avons Marguerite, nous avons Paul, Paulette. Ouais, Paulette, c'est sympa ça comme nom pour une vache. Paulette, salut Paulette. D'accord, c'est la cousine de Marguerite. Non mais franchement. Et ici, nous avons Pierre. Voilà, Paulette, Marguerite et Pierre. Salut Pierre, tu m'as l'air pas contente. Pas content, c'est un mec surtout. Excusez-moi si ça fait confusion à d'autres personnes qui la regardent qui s'appellent Pierre. Je ne porte pas confusion à vous du tout. C'est des noms que j'ai pris au pif. Voilà, tout simplement. Donc ne le prenez pas mal, surtout, s'il vous plaît, je vous le demande. C'est juste pour le fun. Voilà. Là, j'aurais très bien pu l'appeler petite. Petit con. Non, je fais ça. Non, mais voilà, quoi. C'est juste des petits surnoms comme ça, c'est marrant. Donc nous avons Pierre, Marguerite. Oui, Marguerite. Marguerite. Il y a ma copine Marguerite, non? Elle n'est pas là Marguerite, non, ça c'est Pierre, ça Pierre, il n'est pas content, il passe son temps à bouffer, donc nous avons Paulette. Bon Marguerite, je trouve qu'elle a fait un peu la gueule à vers tout le monde. Elle veut pas aller voir ses copines. Tu veux pas aller voir ta cousine, toi, hein? Mais t'en vas pas quand je viens! Viens, vois, viens, viens. Bon, écoutez, je vais arrêter mes conneries parce que... Putain, là je raconte des conneries, mais je ne le fais pas. Allez, je ne travaille pas. Imaginez-vous quand même quel fermier je suis. Un fermier complètement n'importe nawak. N'importe quoi, non, surtout, parce que... Et complètement en mode connerie. Voilà. Les abeilles, ça fait mal. Je vais pas trop m'approcher. C'est dommage qu'on n'a pas d'effet néfaste des abeilles sur sur l'avatar. Ouais. Après, faut voir aussi derrière qu'on peut pas tout avoir. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis passé par là? Ouais. Des fois, moi, j'arrive à m'épater. Oh, regardez ici, en fait. J'ai fait tout le tour pour atterrir ici. C'était magnifique. C'était magnificos. Ouais. Par contre, est-ce que je peux décrocher? Voilà. Non, 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 non. C'était pas la masse que je voulais. Ah ouais, non. Putain, c'est pas possible. Je suis dans... Ah, j'aurais pu l'accrocher, dis donc. Vous voyez? J'aurais pu, mais j'aurais pu, mais j'aurais pu encore, mais là il va me faire chier. Mais tu vas m'emmerder longtemps. Voilà. Voilà, allez hop, c'est bon. Attelage de la remorque maintenant, les amis. Direction. Remorque. Ah ouais, d'accord, nous sommes pas dans le bon sens, ok. Faut vraiment que je fasse plus attention, moi, quand même. Un peu plus de sérieusité, parce que je trouve que ça part un peu en vrac, cette affaire. Voilà, attelé. Allez. On va travailler un peu plus intelligemment, quand même. On peut rigoler, parce que c'est un peu le but du jeu, mais pas non plus faire n'importe quoi. Allez, hop, on va attendre que ça se charge. Ouais, non. On va s'occuper de la voiture un petit peu aussi. Ouais, mais par contre, en vue intérieure, c'est la merde parce que ça glisse. Ouais, où est-ce qu'on va la mettre? Eh, vas-y, en mode Sébastien Loeb, quand même. Wow. Voilà, les amis. Non, allez. Où est-ce qu'on va la mettre? J'ai pas d'idée du tout. Là. Vous savez quoi? On va la mettre là. Ouais, on va la mettre là. Après, peut-être que... Non, là, elle ira très bien. Vous savez quoi? On va pas se casser notre tête-tête.
Par contre, j'ai pas fait attention si elle avait un système de salissure la voiture ou pas. J'ai pas réfléchi à ce coup. Mais bon. C'est pas très grave. Alors, vous voyez, par contre, là, le temps que ça prend pour faire le champ, c'est plutôt long. Remorque détachée en plein vol. En pleine route, surtout. Hop. Vas-y, vas-y. Avance, avance. Voilà. Hop. Putain, franchement, la texture de la terre, je l'aime beaucoup. Elle est vue. Franchement, super sympa. J'adore, c'est très réaliste quand même, hein. Avec l'épandage de la chaux et tout, c'était. C'était plutôt simple, plutôt joli, surtout que ça fait partie de la map, la chaux, tout ça. C'est bien dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. C'était bien dommage. C'est bien dommage de ne pas l'utiliser, surtout. Voilà, plus précisément. Alors, pour ceux qui n'ont pas la map, moi, je vous invite à la télécharger. Puisque elle est plutôt sympa. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est très difficile en map. Alors, pour que moi, je m'amuse dessus, vraiment, c'est que vraiment la map m'a plu. Et elle est vraiment bien. Après, je suis pas non plus. Nous avons tous des goûts différents, hein, tout à fait, bien sûr, je reconnais. Je ne dis en rien, mais je dis que moi, cette map est plutôt super fun et très 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 pratique et très jouable, et même plutôt très amusante aussi à la fois, parce qu'elle est plutôt, elle est vachement plutôt bien faite. Hein. Je veux dire plutôt et plutôt vachement plutôt, ouais. C'est que, en fait, je vous explique. Des fois, si j'avais un petit peu à raconter à mélanger les pinceaux, c'est que je fais tellement de vidéos des fois par jour. Aujourd'hui, j'ai dû en faire au moins 5-6, hein, facile, hein, donc je suis un peu perdu. Voilà. Et là, qui diront, ouais, il y en a qui en font 10 par jour. Ouais, mais pas moi. Tout simplement. Surtout que je suis malade, alors. Vous voyez, j'aurais pu, mais je suis un peu aussi à l'ouest. Alors, pour les vaches, c'est tout rempli, vous le savez. Écoutez, on va revendre ça. Autant qu'on aille le vendre comme ça, on va voir où est-ce que ça se trouve la vente de la paille en même temps. Ça nous permettra de découvrir la vente. Alors, vente de la paille. Ouais, par contre, je suis passé par où, moi? J'en sais rien. Après, est-ce qu'on peut la stocker au pire? Attendez, je réfléchis. Paille n'est pas acceptée ici. D'accord. D'accord. Ok, donc la paille ce n'est pas là. Je sais qu'il y a un silo pour vider la paille. Je sais qu'il y a un système de silo. Mais comme je. Ah, c'est peut-être là, regardez. Ouais, c'est ça, regardez. Et regardez quand on. On regarde normalement. Normalement, ça décharge. Ouais, ça décharge. Regardez, le temps normalement il monte. Ouais, c'est ça, regardez, regardez. Hop, on va monter sur le tas. En mode surélévation. Oh oh. Il y en avait, hein, quand même, il en contient pas mal, hein. C'est plutôt dingue, hein. Voilà, comme ça on a fait un stock. Et par contre, est-ce que c'est plutôt monté au niveau des chiffres? Regardez. Oui, donc 21 tonnes 299. Voilà, bon bah super, nickel, c'est ce que je voulais. Comme ça, nous avons plus de 21 tonnes de paille, nous sommes tranquilles. Tant que la moissonneuse fasse le reste, par contre, on va y poser la remorque là-bas. Ah oui, je vous ai pas montré ça ici, les amis, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est tout ce qui est engrais et lait. Ah non, c'est peut-être le lait aussi. Si, je crois que aussi, ça fait partie du lait. Ouais. Ouais, ça va faire partie du lait. Hop, on va détacher ça là. Et on va y chercher la remorque à eau et lait. Comme ça, on va pouvoir nourrir les animaux. Et je vais vous montrer aussi un petit peu une petite animation assez sympathique sur cette remorque que j'ai découvert. Que j'ai vraiment adoré et que je vous montrerai. Parce que vous avez vraiment apprécié aussi. Et ça fait partie du pack, hein. Cette remorque fait partie du pack de mode qui est inclus dans la map, tout simplement. N'allez pas chercher midi 14h. Alors le lait. Le lait. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Regardez, attendez. J'ai bien vu ou ça? Ah d'accord, c'est quand il y a du lait. Sympa. Et Seed Master. Non, c'est pas pour le lait, non? Mais non, c'était marqué pourquoi c'était. Converti en semences des céréales de serre raffinée, le remplissage est possible avec toute remorque.
Je vois pas trop. C'est moi qui ai peut-être bête ou j'ai pas saisi. Ouais. Est-ce que c'est là? Non. Heidmaker, Schoenmaker. Non. C'est pas par là, donc attendez. Je réfléchis là. Bon, écoutez, vous savez quoi? Parce que là, c'est pas le lait ici. Alors, c'est où? C'est où? On va prendre l'eau, au moins l'eau. Voilà. Et là, regardez juste là. Regardez, les amis. Regardez le tuyau. Et voilà, vous avez vu? Sympa, hein? Sympa ce système de tuyau qui ressort. Bon, bien sûr, on va dire un peu rapidement. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa avec le petit bruitage et tout. C'est plutôt vachement réaliste. Sauf au niveau rapidité, bien sûr. C'est un peu logique, mais bon. Je veux dire, jusqu'à maintenant, nous avons jamais eu ça sur le 2015. Pour moi, ça reste une première. À mon goût, à moi-même. Donc, moi, j'adore. Franchement, j'adore pour ça. Franchement, le mappeur et le développeur de la map franchement, a fait un travail formidable à ce niveau-là. Hein. Sur ce, la map en global, elle est formidable. Elle est très très bien faite. Faut pas non plus aller dire il y a des défauts par-ci, des défauts par-là. On peut toujours. Voilà quoi, je veux dire, on fait toujours. Bon, tout ce qu'on fait est toujours très bien. Il faut pas négliger. Faut pas se dire ouais, non, c'est mal fait ou ceci ou cela. Non, pas du tout, faut arrêter. Faut voir aussi un petit peu le boulot que des fois ça peut représenter. Par contre, est-ce qu'on peut changer de l'eau là? Non, mais on va pas le faire parce que. C'est pas trop notre intérêt, nous ce qu'on va faire plutôt. C'est on va les nourrir les vaches. Ouais, on va les nourrir en eau parce qu'elles en ont pas, les pauvres, malheureusement. Elles ont pas d'eau. Et il va falloir vraiment qu'on les remplisse d'eau. Parce que vu comme elles ont un peu de paille, ça leur ferait du bien un peu d'eau. Les vaches, est-ce qu'elles se trouvent par contre celle-là normalement? Ouais, celle-là. D'accord. Par contre, les moutons, ils sont où? D'accord. D'accord. Alors attendez, X. Ah oui! Regardez! Si c'est pas plutôt sympa ça aussi. Voilà cet effet d'animal. Putain, mais recule. Voilà, regardez cet effet du tuyau qui descend automatiquement quand vous l'activez. Et ça remplit l'auge d'eau. C'est plutôt sympa, non? Moi, j'adore. Quand est-ce que ça remplit par contre ça? Alors on va voir tout de suite. Eh ben non. Ça ne l'a pas rempli ou je rêvais? Non, ça ne l'a pas rempli. Hein. Ouais, ça ne l'a pas rempli. Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. On va passer par là. Voilà, donc nous avons servi de l'eau aux vaches, de la paille aux cochons et aux petits veaux. Ensuite, nous avons ramassé un peu de paille. Comme ça, on a gagné un peu de temps aussi à ce niveau-là. Et on en a stocké. Ouais, ça c'est encore là. Ah, le lait, c'est là! Regardez. Regardez, regardez. Le lait, c'est là que ça se remplit. Non? Attendez. Ouais, je crois que c'est là. Hein. Le système de vidange de lait. Ouais, ça doit être ça. Attendez. Ouais. Remplir. C'est tout? C'est tout? Ah bon, parce qu'elle n'a plus. Attends. Ouais, et si je refais R? Oui, mais moi je veux remplir. Vous devez d'abord remplir l'équipement. Mais je fais quoi depuis tout à l'heure, couillon? Mic trailer. Mix. D'accord. En fait, c'est quoi? Ah, regardez, il y a une ligne. C'est quoi la ligne? Attendez, je vois pas la ligne. Ah, d'accord. Ok. Ouais, et. Oh. Sur my cœur. Là, franchement, Oh, attendez. Remplir. Eh ben, pourquoi 3%? Mais qu'est-ce que je m'en fous?
Attendez. Non, papa. On va revendre alors, directement. Ouais, mais non, mais moi je veux pas. C'est ça qui est. Hop. Ouais, la vidéo, hop, c'est bon. On sait que c'est là le lait, ça c'est sûr et certain. J'ai voulu vraiment tenter pour être sûr à 100% que ce soit bien ça. Hein, comme ça. On me dit pas dans les commentaires, ah, mais c'est pas ça le lait, on peut pas le remplir, je sais pas ici. Écoutez, moi j'ai testé et c'est ici donc. Ne venez pas dire derrière, ouais, je n'ai pas là qu'on charge le lait. Mais pour pouvoir charger le lait soi-même, les amis, pensez bien à ajouter le panneau Stop Milk. Hein. Il l'a dit, le développeur l'a dit, je le redis dans la vidéo. Faut arrêter le Stop Milk, il faut ajouter le panneau Stop Milk pour pouvoir charger le lait soi-même et le revendre. D'accord? Autrement, ça se vendra tout seul et à chaque fois que vous irez remplir, et ben, vous aurez rien. Donc, ce serait bien dommage de ne pas pouvoir le faire si vous voulez le faire vous-même. C'est même plutôt mieux, je dirais, de le faire soi-même. Voilà. Par contre, on va charger ça. Ce tracteur est dégueulasse. Je recoule. Voilà. Non, bon Dieu. Voilà. Hop. Lui, il a fini de se charger les blindés. Faut vraiment qu'on investisse dans une moissonneuse, les amis, franchement. Parce que là, c'est pas ce qui nous reste. C'est pas que cette petite moissonneuse qu'on va aller loin. C'est pas que cette moissonneuse qu'on ira loin. Ouais. Mais il va falloir vraiment qu'on y fasse. Prochain achat, c'est sûr. Moissonneuse. La Big XXL. Les amis, on achète. Non, on va prendre une grosse moissonneuse parce que faut dire que là, on va pas aller loin avec ça. Hein. Voilà, c'est la petite de base. On se fait bien chier. Et c'est un peu ça le but de la carrière suivie, les amis. Et c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, on va faire qu'on galère pour gagner cet argent. Et c'est ce que j'aime. Alors par contre, on va y revendre ça au niveau du train. Alors le train, par contre, je crois qu'il est en bas. Hop. Mais il se calme là. Hop. Voilà, je crois que c'est par là qu'il faut prendre. Par contre, franchement, mais avec le poids, ça glisse quoi. Pourquoi je suis passé par là? Attendez. Est-ce que c'est par là au moins? Bah écoutez, on va voir. Hein. Qui ne sait pas où il va, ira. Hein. Toutes les routes mènent à Rome aussi d'un autre côté. Le couillon qui a inventé cette phrase, je le déteste. Parce que faut dire que le truc là, je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Ah ouais, mais non, mais là non, d'accord, ok, on est devant le magasin. Ah bah ça tombe bien qu'on soit devant le magasin, je vais pouvoir vous montrer qu'il n'y a plus un véhicule. Tout simplement, vous pouvez le voir, il n'y a plus un seul véhicule comme la dernière fois. Vous vous souvenez, il y avait tous les véhicules à revendre qui étaient là garés. Il a préféré tout enlever comme ça, on a plus de place. C'est même bien, moi je trouve, c'est même mieux. Voilà. Faut pas négliger le travail qui a été fait. Ah ouais, d'accord, en gros, on a. Mais rigolez, les amis, non, mais rigolez. En fait, on a fait tout le tour pour revenir au point de vente le plus proche. Des fois, je mérite que je me fasse engueuler. Ouais, mais moi, c'est pas là que je vais aller, c'est au train-train. Le train, où est-ce qu'il se trouve? Élévateur à grains, dépôt. Ah, c'est dans le dépôt. Mais oui, putain, mais qu'est-ce que je suis bête. Voilà, c'est ça, c'est dépôt. Voilà. Donc, faut qu'on aille au dépôt. D'accord, faut donc faudra passer par là. La prochaine fois. Ouais, bah, je passe. Voilà, bah, merci. Merci le mur. Tu m'as. Non, ça glisse. Tutut. On va les pousser, hein, on va les pousser. Parce que. Pousse-toi. Oh, non, mais sérieux, mais je passe devant, s'il te plaît. Mais tu vas t'arrêter. Mais tu vas te pousser. Quand Raph passe. Vous dégagez. Ouais. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ouais. D'accord, bon. Ouais, si, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Très bien. C'est parfait. On va pouvoir revendre le blé. Faire partir le train. Le plus silencieux de toute ma vie que je connaisse.
Ouais, si c'est ça, regardez. Le train. On va faire partir le train. Alors, putain, on arrête le camion, franchement, ça irait beaucoup mieux. Ah bon, faut pas tout avoir. Comment je serais obligé de prendre la grande remorque et tout le bordel, ça nous reviendrait peut-être trop cher. Voilà. Alors, le train, le train, le train. Et écoutez, écoutez juste le bruit du train quand même quand il part. Il est pas super calme. Est-ce qu'on peut monter? On veut monter! On veut monter! On veut monter! Non, ils veulent pas. Allez, attendez. Lucius Bolt, il court plus vite que le train. Il va le rattraper! Non, il ne le rattrapera pas. On fait demi-tour, on va être essoufflé. Ouais. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, je. Ce soir, je suis fin excité. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. 13 000. 651. Et regardez maintenant que le train est parti, on va se faire un. Ça va monter, voire le double, voire un peu. Même le double. Voire le double. On va se gagner. Une petite astuce que j'avais redécouvert que le train nous fait gagner plus d'argent. C'est plutôt bien. Hop, 33 000. Ding ouais. Nous sommes plein d'argent. Mais le camion, je crois qu'il vaut 78 000. Hein, donc, je pense qu'on a peut-être de quoi faire encore à attendre avant de pouvoir se l'acheter. Hein. Tout simplement. Après, si on veut se l'acheter, un exemple. Attendez. J'ai bien envie de me l'acheter. Je réfléchis maintenant. Est-ce qu'on revend notre voiture pourrite? Camion. Ah, il a 75 000 quand même, hein. Franchement. C'est plutôt 114 000 ça? 114 000? Ouais, j'achète moi. Et je vends, hein, je vends, je vends. J'ai vendu mon tracteur. Hein. On s'en fout un petit peu. On achètera une poubelle s'il le faut. Magasin. Acheter. Voilà. Hop. Avec une remorque, bien sûr, attitrée. Ah ouais, mais j'ai pas réfléchi. D'accord. On n'a pas de remorque multifruits. Ouais. Ouais, il va falloir une attelage. Alors attendez. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est divers. Ah bah vous voyez, c'est ici le divers. Donc vous voyez comme ça, moi. Vous le savez. Vous ne viendrez pas me dire, ouais, j'ai pas dit divers, je trouve pas. Wouah! Wouah! Mais c'était magnifique. Mais c'était magnifique, les amis. Nous avons. Je n'ai pas pu. Acheter ma remorque, non? 72 000, elle a combien? Eh! Oh my god, elle est chère, hein. Très très chère. Franchement. Ils ont vu un peu les prix un peu chers quand même, moi je trouve, pour ça. Pour la crampe là. C'est pas une crampe qu'on a, hein. C'est pas la crampe qu'on chope. Hein. À ne pas confondre. Voilà, est-ce qu'il y en a qui se regardent et disent, ouais, c'est une crampe, je pas chat, hein, je 90 émissions, on vend ça, la Fortuna. Bon, pas les cigarettes. Ne confondez pas avec les cigarettes Fortuna, ça n'a rien à voir. La voiture, on peut la revendre parce qu'elle nous sert à Cucci Welux. Elle nous fout plus le bordel qu'autre chose. Et elle me saoulait. Ça, allez, vas-y, on le revend. Alors, 98 000, on en a besoin. C'était combien, non? C'est ça, hein, c'est 98 000, les amis. Ça, on peut le revendre, on n'a pas de tracteur. Oh, là, on fait un peu l'inventaire, les amis. Hein. On revend ce qu'on a besoin de revendre parce que on vend ce qu'on n'a pas l'utilité actuellement. Magasin. Allez, à 98 000, hein, c'est bien ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Garage, qu'est-ce qu'on va pouvoir revendre? Citernao, non, mais on va la garder. Après, on peut peut-être la revendre et là, éventuellement. Les ruches. On va en revendre des ruches parce qu'on en a trop de mon côté. Météo, météo, c'est la ruche. Attendez. Elles sont pas là mes ruches, non? Alors là, faut retrouver les ruches. Où est-ce qu'elles se trouvent ces putains de ruches? Excusez-moi du mot, mais là, je cherche parce que. Ah, mais c'est peut-être là. Regardez, la ferme est là. On redescend un petit peu en arrière. On revient encore en arrière. Les ruches, elles doivent être dans le bordel, là. Non? Elles doivent être dans ce merdier.
La station de lavage. Oh, maintenant on saura où elle est. Ah, sont là, regardez, regardez. Hop, hop. Et on en garde une. Parce que ça nous rapporte de l'argent, ça, faut le savoir, hein. Désolé les amis, franchement j'ai encore éternué, c'est très très pénible. Ça me gratte le nez depuis tout à l'heure et c'est affreux. Et je me retiens. Alors, crampe, 98 000. On la prend. On achète. J'achète! Voilà. Maintenant que nous avons le véhicule, les amis, on va aller le récupérer. Ah bah oui, mais il faut qu'on charge déjà. Excusez-moi les amis, ça revient un petit peu, je vais encore éternuer, je coupe le micro. Meurs, voilà. Putain, je vais couper le micro plusieurs fois, je crois, hein. Bon, nous avons la remorque, nous avons le camion, maintenant nous n'avons plus qu'à atteler l'ensemble. Ouais. Alors surtout que le camion, les amis, il faut savoir que c'est un mode, hein. Ce n'est pas... Dites-moi pas qu'ils sont pas compatibles. Dites-moi pas qu'ils sont pas compatibles. Parce que là, ça serait... Ah si, c'est bon. Ah, ça c'est un bon point. Ouais, bah elle est pas un peu haute, la remorque. Oh, écoutez, hein, si ça marche comme ça, tant mieux, hein. Après, est-ce qu'il faut pas une remorque spéciale pour ça? Pour ce camion? On verra bien, hein. Désolé, alors là, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Alors là, du tout, hein, je pense que j'aurais voulu, mais je n'ai pas eu le temps. Ah, je suis désolé, hein. Franchement, c'est l'horreur. C'est la honte même. Mais bon, après, faut comprendre que on a... Bah, n'est pas facile. Oula, je suis désolé. Voilà, oh là 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 là. C'est infernal. Je ferai même une petite coupure, je crois, à mon avis, à ce moment-là, parce que c'est pas très agréable à voir. Non! Allez, voilà, charge. Comme je te le demande. Voilà. Bon, je pense, les amis, qu'on va vraiment se laisser là, parce que le temps que ça se charge, le temps que la remorque se remplisse, et vice-versa. On a déjà fait pas mal. Je trouve qu'on a pas mal avancé. On a 15 175. Dans le prochain épisode, on aura un peu plus d'argent parce qu'on va revendre la récolte de toute la remorque. Par contre, cette fois, c'est toute la remorque. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas le champ tant qu'il ne sera pas fini. Voilà. On recommencera et vice-versa. Ou alors, je le referai hors vidéo directement dans ces cas-là. Mais c'est pas coup sûr. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour les éternuements, encore une fois, qui n'est pas approprié à la vidéo. Je sais, je comprends, mais faut comprendre aussi qu'on a le droit d'être malade et que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est tout à fait normal. Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et n'hésitez surtout pas à venir me retrouver sur ma page Google+, Facebook, mon live Twitch. Et ma page Twitter, voilà. Moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.
Abandon.